met où? On se met là? Bonjour, bonjour à tous. Alors on est enfin en vacances. On est en février 2021, en pleine période de Covid, variant qui varie. Et du coup ben, les remontées elles sont fermées. Donc au lieu de faire du snow qu'on a dû laisser au studio bien rangé sous les lits, et bonne innov. Là, on marche un petit peu. On va aller faire un petit peu de randonnée. Et hier, on a fait des raquettes. Du coup, je vais vous laisser avec des images. C'est une nouvelle boule de pétanque. Putain, c'est bien, c'est. Ah ouais, c'est costaud, ouais. Bon, demain, on fera un petit jupantu. Là, c'était pour tester le. On a oublié de vous dire qu'on était à Guzé, dans les Pyrénées. Là, on a pris une piste de DH ce matin. Du coup, on part un peu à l'aventure. Ce que vous savez pas, c'est que j'ai le vertige, mais vraiment, genre vraiment, vraiment le vertige. Et par moment, heureusement qu'il est là.
colle au trou, allez. Elle colle. C'est stoppé là. Ah ouais. Volus. Ouais, je vois Volus. Ouais. Alors là, on va aller faire une petite randonnée aujourd'hui. Alors nos vacances, on est obligé de les écourter un petit peu. On perd toute une semaine de vacances. Donc on va essayer de profiter encore au maximum de ces derniers jours à la montagne. Oasis ? On va aller se promener ? Alors ça y est, on est en bas de la randonnée des cascades d'Ars. Alors c'est une randonnée qui normalement prend 4 heures. Aller-retour. 4 heures aller-retour. Et sincèrement, je pense qu'on la fera pas en entière, on va voir. Parce que le temps n'est pas trop au rendez-vous. Mais bon, on va se promener quand même. Naya, 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 Na
Alors le dilemme, c'est que là, si on a bien compris, là-haut, il y a les cascades d'Ars. Et là-bas, il y a une autre cascade, la cascade du Fouillet. Là, il y en a pour 40 minutes. Là, pour 15 minutes. Là, c'est très pentu. Et là, ça va. Donc je pense qu'on va aller par là et on va voir la cascade du Fouillet. Qu'est-ce que t'en dis ? Parce que là, sous la pluie, commence à faire froid. Ça descend ! Par contre, après, on va remonter. Nice. Alors là, on est au plateau du Fouillet. On ne trouve pas de cascade. Du coup, on repart en direction d'Aulus. Bon, mais finalement, en partant un peu à l'aventure, on a trouvé une des cascades. C'est magnifique, hein? Alors quoi? Raison, encore une fois. Aujourd'hui, on fait la randonnée du cirque de Kagatai. C'est très pentu et c'est vers, on a dit Saint-Lizier du Stou. Donc ça grimpe, on va voir. Apparemment, on a fait 1h30, elle est assez courte. Mmh. 1h30 aller-retour. Voilà. On a dû faire demi-tour parce que ça devenait beaucoup trop escarpé pour mon vertige. Ça devenait beaucoup trop dur. On va essayer de voir le plateau en bas, ce que ça donne. Bon, mais on va essayer ça. Hein. Ça a l'air un peu plus relax. Une petite découverte. En fait, c'est bien fait, hein.
Bon, mais couvre-feu oblige. On rentre au studio. On rentre dans les ronces. Vas-y, viens. On fait quoi? On? On va boire à l'apéro. Non. Ah oui, on rentre au studio. Je peux savoir pourquoi ils ont fait un point là, juste là. Et là, par contre, ils veulent traverser l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, mes mères, hein. Là, on retourne se promener un peu sur la station. On va en profiter pour faire quelques photos. On voulait faire des chiens de traîneau. C'est possible de faire ça à la station de Guzet. Sauf que on n'a pas eu assez de neige. Donc on essaiera l'année prochaine. Aujourd'hui, il fait vraiment, vraiment chaud. Grand soleil. Et il a mis le super jogging polaire que je lui ai offert. Hein, mon cœur? Elle est fraîche. Comme ça. Chaude ou froide? Elle est pas chaude. Séance photo terminée. En compagnie d'un petit bonhomme de neige. On met la bouteille d'eau au frais. Une scène de pub. Elle est fraîche? Ah, donne-moi ça. Une bergère là-haut. Hein? Une bergère. Une bergère là-haut.
Trop bien. Ouais. Promenade terminée. Là, on va aller manger quelques crêpes hein, et après on va commencer à faire les affaires, le ménage, tout ça, et on part demain matin. Du coup, ben, fin de la vidéo. On espère qu'elle vous a plu et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle. Ciao, ciao. Ciao.